Tout semblait pourtant si bien fonctionner entre Marie et Jérémy. Malgré ses craintes, la barmaid s'est lancée dans l'aventure mariée au premier regard et avait rapidement développé des sentiments forts pour Jérémy, avec qui elle avait une compatibilité de 82%. Leur mariage, entouré de leurs proches, s'était déroulé sans accroc et leur lune de miel au Maroc avait été une occasion pour eux de se rapprocher. Marie avait même avoué son coup de foudre pour Jérémy, une déclaration qui l'avait un peu effrayée. De retour en France, après quelques jours sans se voir, Marie et Jérémy se sont retrouvés à Bordeaux chez Jérémy. La rencontre de leurs chiens respectifs s'est bien passée, mais les choses ont rapidement pris une tournure inattendue. Dans l'épisode inédit de ce lundi 3 juin, disponible en avant-première sur MC+, la situation s'est aggravée lorsque Jérémy a déclaré qu'il ne voyait pas leur relation fonctionner et que Marie ne correspondait pas à ses attentes. Cette révélation a laissé Marie en état de choc et de détresse. Leur dispute a dégénéré, au point que Marie s'est retrouvée seule dans les rues de Bordeaux. La production a dû intervenir pour lui trouver une chambre d'hôtel. À l'écran, Marie est apparue en larmes. Alors qu'elle pensait nager en plein bonheur avec l'homme de sa vie, la désillusion est totale. « Et hier, j'ai été chez Jérémy tranquillement. Là, il me dit, tu n'as pas besoin d'être ébahie comme ça tout le temps. Il n'y a plus les caméras, donc sois normale. » Puis, il sort d'un coup, « En fait, je n'y arrive plus. Tu vois bien quand même qu'entre nous ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne, je ne comprends pas. Il m'explique qu'en fait, je ne correspond pas du tout à ce qu'il avait demandé. Il a été hyper dur, froid et insensible, explique Marie depuis sa chambre d'hôtel, entre deux sanglots. J'encaisse. D'un conte de fées, d'une histoire idyllique, ça se transforme en cauchemar. Je suis dans une incompréhension totale.